Magnifique moto de toute beauté. La foule en délire. Ouais. Voilà, donc les barrières sont levées. Les gens ne payent pas le péage. Nous avons toujours deux motards courageux, très sympathiques d'ailleurs à ce propos. Je suis pas sûr que les plaques elles soient aux normes. On va éviter de leur demander. Ça caille hein. Oh la vache. J'ai pas vu la demande. Putain, ça a gelé. Non, le surveiller. Les amis de la gendarmerie se sont reproduits. Sans reproduits. La mégane est arrivée, ça rigole plus. Ils sont 6. Non. Bon bah, en fait rien ne passe, quasiment. Voilà. Donc on est en direct du rond-point d'Inter à Beaume, donc ça filtre, donc là je discute avec des gens charmants, motards comme moi. Bah ouais, mais qu'elle me coupe pas la route quoi. C'est là. Connasse. C'est chouette. Ah, je fume toujours aussi mal, mais bon. Franchement, je suis crevé, je crois que je suis un peu froid hier. Je suis un homme, je suis fragile. Voilà, donc de ce côté-là, c'est comme ça. Avec des petits chiens, c'est cool. Non. Je suis en direct, bah, je savais pas que t'étais là. HK, mon bébé. Mon bébé. Oui. Salut, capsule. Oh bah, t'es belle. T'as pas le temps. Que je vous embrasse toutes quand même. Bah, je vais couper parce que j'embrasse des femmes. Ça. Donc là, comme vous voyez, bah, le péage il est gratos. Voilà. Donc, c'est bien. C'est sympa. Ah, j'ai pas vu que les gendarmes étaient derrière. Bon, on s'en fout, de toute façon, samedi ils ont déjà pris ma plaque alors. Ça peut pas être pire. Alors c'est démarquant. Bon bah voilà, nous sommes encore avec mon charmant collègue d'hier à Ocho. Voilà. Donc aujourd'hui on est un petit peu moins. Donc en fait on filtre pas, mais par contre les gens ne payent pas. Ah, c'est-à-dire que les barrières, voilà, comme vous voyez, sont levées. Et comme ça, bah, les gens sont contents, souvent surpris d'ailleurs. Bon, donc, quelques personnes là-bas. Bon, évidemment, comment dirait-on, ça s'étiole un peu, c'est normal. Hein, au bout de 4 jours, je vais rester toute la journée. Vous voyez, c'est des gens. Voilà quoi. C'est dur quoi. Donc, à mon avis, ça reprendra bien fort bah, ce week-end. Oh, putain.
Donc voilà, bah, on rebelote, hein. On prend les mêmes et on recommence. Mon copain, dis coucou. Dis coucou. Hey, tu vas dire par rapport à hier, il est moins équipé. Mais... Bah ouais. Ah, nouveau copain. Yeah. Le drapeau est toujours en berne. Hey, j'étais là quand il l'a descendu. Bon, on a quasiment peu de monde qui passe. Puis bah bon, bah, c'est un peu comme hier, hein, toujours des télépéages. Ouais, il y a plus de tickets. Ouais. Bah tu payes que dalle. T'as plus le moins de bifton. Gratuit, monsieur. Voilà. Donc, bon, de l'autre côté, c'est pareil. Hein. Tranquillement, les barrières sont toujours levées. Bonjour, messieurs, dames. Vous avez un ticket ou vous êtes en télépéage? Ah, ben, vous pouvez me le donner, c'est gratuit, monsieur. Ah, oui, je serais et certain. On le fait à moitié prix, le ticket. Ah, peut-être, mais on assume. Depuis samedi, en fait, hein, les barrières sont levées. Bon, bah, les gendarmes sont là. Hein. Oui. Ah, mais ils sont là tous les jours. Ils viennent discuter avec nous, ils boivent le café avec nous. Ah, bah oui. Ah, bah oui, pouvez. Bah, ils sont juste là dans le coin. Ils sont très aimables. Non, et puis comme on est cool, il n'y a pas de souci, ils viennent pour justifier leur salaire. Eh ben, bon après-midi, messieurs et dames. Allez, au revoir. Donc, bah, nous revoilà, hein, au péage. Avec une variante aujourd'hui, c'est que ben, ce matin, les gendarmes sont arrivés beaucoup, nombreux, et ont interdit en fait que les barrières soient levées. Comme ils n'étaient pas nombreux, bah voilà, ils n'ont rien fait. Et là, par magie, bah, depuis tout à l'heure, il y a un problème technique et les barrières sont levées. Mais c'est même pas de notre faute. Donc c'est excellent. Voilà. Salut. Bah bon, fallait un petit peu se douter que tôt ou tard il viendrait. Ce qui s'est passé hier, c'est que à plusieurs endroits, bah, du côté de Montbé et tout le bordel, en fait ils ont levé les barrières. Donc un péage qui lève les barrières, ça va, mais quand il y en a 4-5, ça va plus du tout, quoi. Donc là ce matin, voilà. Les gendarmes étaient là, bon là il y a deux copains d'hier, pas du moins un. C'est sympa, mais bon, il ne reste plus qu'eux. Moi je sais pas trop. Je viens d'arriver. Oh. Hein? Tu parles pas du même. Bon bah nous revoilà à Beaume. Alors bon à Beaume il y a qu'ici que ça bloque. La petite différence c'est que on nous a interdit de s'approcher des barrières. Bon après ils sont que deux, hein. D'ailleurs, bon. Bon ici les gens sont gentils, hein. C'est la maison du bonheur. Déjà ils sont sortis, c'est pas si mal. T'as pu mon pote, il est toujours là. Toujours les meilleurs. Hein. Il va mourir au champ de bataille. Tu m'étonnes. Excuse. Il y a des gens qui sont venus de Lille nous rejoindre. Ils sont sur le Doubs. Alors c'est pas ce que ça va faire. Donc sinon à Beaume, il n'y a rien, à part au péage. Là je leur dis, il n'y a que dalle. Donc voilà, toujours en direct d'autres shows. Alors on est quelques-uns quand même. Et puis bah les barrières sont toujours ouvertes. Apparemment elles sont ouvertes un petit peu partout, de ce que j'ai compris. Les amis de la gendarmerie, ils sont revenus. Parce qu'on leur a signalé que des gens étaient sur les cabines. Sur les cabines, il n'y avait personne. Bon, bref, ils justifient leur salaire comme ils peuvent. Hein. Puis on leur a piqué leur moto, c'est ballot. Tout ça pour se traîner avec une pauvre voiture merdique, quoi. C'est honteux, je veux dire. Je compatis. Bon, bref. Et voilà. Donc, ils nous ont fait reculer derrière, en fait, les barrières pour notre sécurité. Bon, ce qui est tout à fait normal aussi, hein. Je veux dire, ils font de la prévention, comme je disais déjà, je sais plus quel jour de la semaine. Donc, voilà. Ils ont demandé gentiment, on l'a fait. Et puis, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Donc, les gens ne payent pas. Voili, voilou. Ça se passe bien. Tranquille. Enfin, ça, c'est du camion, ça. Elle, là. Ouais.
C'est chouette. Bon ben, on prend les mêmes heures, on recommence. Alors on n'est pas nombreux. Et c'est ce que j'ai vu toute la semaine en fait. Voilà. Poignée d'irréductible, c'est qu'à le dire. Ah bon, comme disait un ancien, il y a la messe et tout, ils vont peut-être venir après. Donc, une barrière est ouverte. L'autre, non. Nos amis de la gendarmerie ne sont pas là. On doit être l'heure du café. Bon, l'avantage d'être ici quand même, et ça j'en ai très très peu parlé. Oui, c'est pas con. C'est qu'ici, bah, on a des chiottes. Alors, on va visiter les chiottes parce que c'est quand même un grand mouvement. Un grand mouvement, oui, aussi. À admirer, admirer. Nous avons des WC avec un peu de musique, c'est sympa. Puis il fait moins froid. Je suis vraiment des conneries. Non, ça change pas. Ah. Donc là, bah, comme la barrière est fermée, bah, on fait faire le tour aux gens. Tiens, bonjour aux autres, là, ils se cachent. Bonjour. Bonjour. Ah, encore un nouveau. Salut. Ah bah, si on t'étend aussi. Ah bah, je te dis. Ouais, un peu mal au dos, ça commence à... commence à faiblir un peu. Oh, un nouveau, tiens. Ça va? Oui. Bon, bah, c'est cool. On s'est déjà fait virer ce matin, là, on était là. Ouais, bon. Bon, c'est pas grave, on est pareil. Non, c'est pas gênant. Moi, je dis tant que la barrière non, est ouverte. Non, mais c'est dangereux aussi, ça peut être dangereux de se mettre le milieu. Ah, mais c'est clair. Et laissez la couleur où c'est là-dessus. C'est rouge, pour celle-là. Ah ouais? Sérieux? Oh, les connards. En plus, c'est rouge. Du coup, ils ont mis une flèche verte de ce côté-là pour que les gens passent là. Oh, les villes. Ah, les moches. Bon, c'est la PRR, de toute façon. Bon. On va voir un peu ce qui se passe ailleurs. Ah. C'est normal, tu sais, quand tu mets une taupe au milieu d'un champ, ils ne vont même pas les vers de terre. T'as du pied. J'en peux plus. Ouais, le chien qui est revenu. Le chien pilou. Bon, alors, la barrière est baissée. Donc les gens payent. Voilà. Pour info, les gens payent. Grâce à ce charmant monsieur, zélé. Donc là, on est en train de voir, de réfléchir à ce qu'on peut faire. C'est un bon, ouais. Donc là, la barrière, par magie, s'est relevée. Donc, il y a eu un relais par d'autres gendarmes. Alors, celui qui est chauve, il est drôle. Il vient me voir, il me fait... Et c'est relevé quand, la barrière? Il dit, non, mais on sait, on est au courant. Je dis, bah non, la magie. Dès que vos collègues sont partis, il a fait, ouais. Donc là, probablement qu'il y a un des deux qui va la redescendre. Bon, c'est le jeu. C'est le jeu. On joue. On joue, on joue. Bah, jeu du chat et la souris, quoi. Bon, bah, on reprend les mêmes. Jusqu'à ce que vous ressensuiez. Donc, on n'est pas grand monde. Donc la barrière qui avait été démontée bon. Hier, tu vas bien Daniel? Oui. A disparu. Bon, c'est pas nous qui l'avons emmené, qu'est-ce qu'on foutrait d'une barrière franchement? On n'a pas de place à la maison et puis je préfère des décos plus jolies.
Nos amis de la gendarmerie sont venus, constater que bah rien, comme d'hab. Bon après de toute façon même si on cache les quelques caméras qui sont là, il y a une caméra là-bas, il y a une caméra là. Donc voilà. Ce projet non. On a rien cassé, on s'en bat les couilles. Donc voilà. Donc à Boom, enfin à autre chose du moins, c'est gratuit. Bon, aujourd'hui, je veux dire que c'est un peu, pas la fin du mouvement, mais presque, au niveau d'autres shows du moins. La barrière a été remplacée, on s'en s'y attendait. Et là, voilà ce qui se passe. Alors, pour vous la faire simple, en fait, je n'étais pas là hier après-midi, mais... quelqu'un aime faire peur aux gens, puis bon, ça a marché. Le feu qui était là, en fait, ils sont carrément près de la nationale, ce qui sert strictement à rien. Donc, ils ont ouvert une buvette, en fait, pour les gendarmes, parce que les gendarmes sont avec eux. Mais là-bas, donc ça sert à rien, rien du tout. Donc, le péage est payant. Voilà. Moi, je dis que... au moins samedi matin pour aller voir le concert d'Indochine, on sera pas emmerdé, ni pour revenir. les gens étaient probablement fatigués, personne venait nous relayer, enfin à part des gens de Lille, hein, apparemment sont venus, mais bon, ça n'a pas changé grand chose. Ils ont eu peur comparé à 4 gendarmes, 4-5. Quand t'es nombreux, t'as pas peur de 4 gendarmes quand même, si on te menace. Les CRS, le temps que les CRS ils arrivent, t'as largement le temps de te casser hein, et d'aller ailleurs. Hein. Je veux dire, des fois, faut un peu réfléchir. On va quand même aller voir les autres gilets jaunes. Salut mon pépé, salut toi. Donc, je vais relayer l'info à ceux de Montbéliard. Ceux de Pontarlier aussi, leur dire que voilà, c'est mort ici, qu'il n'y a plus rien à faire, pour se tripoter la bite. Alors, je fais une vidéo en direct, comme ça au moins les gens savent ce qui se passe plus. Je te coupe pas, on a encore besoin de tes doigts agiles. Ah bon ?